Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation et de dégustation. Aujourd'hui, on est avec du vin rosé de Côte de Provence, des celliers de Hesperides. Donc, c'est un Côte de Provence 2019. Alors, appellation d'origine contrôlée. On est avec du vin, une bouteille standard, 75 centilitres et il est à 13 degrés. Donc il a reçu une distinction issue d'une exploitation en haute valeur environnementale. Vous avez à l'arrière une petite explication et vous montre quel est l'emplacement par rapport au Côte de Provence, d'où ça vient. Donc c'est toujours bien de voir, c'est indicatif, c'est intéressant. Voilà. Et on va le goûter. Donc c'est un rosé. Les rosés, moi j'aime bien. Je suis pas super fan, mais j'aime bien. Ça se boit souvent en dessert ou en apéritif. J'aime bien en apéritif, honnêtement. Toujours agréable. Ça fait des bons vins pour l'apéro. Ou ça va souvent pour les desserts. Moi j'aime bien aussi avec un dessert. Ou pas en digestif, mais en dessert. Avec un dessert. Ah, il est résistant, lui. On a un bouchon qui résiste. Hop, pardon. Voilà. Voici la bouteille. On va vous la remettre là pour le moment. On va vous montrer le bouchon. Donc, c'est un bouchon en liège, ciré, pour faciliter l'ouverture. Bon, c'est pas toujours le cas. En tout cas là, j'ai eu un peu de mal, voilà. Et on va goûter ça tout de suite. Il est bien clair. Un rosé rosé. Plutôt un rosé clair. Voilà, on va mettre ça là pour que vous voyez un peu. Lumière, ce que ça donne. Voilà, il est plutôt, effectivement, il est plutôt clair. Alors, voyons un peu ce qu'on a. On va goûter ça. Au niveau du parfum, c'est agréable. On est bien sur du rosé. Ça se sent. Il est agréable. C'est bon à boire. Ça pourrait le faire. Je pense qu'il mérite d'être un peu plus frais. Bon là en l'occurrence il est à température ambiante, donc il est un peu tiède entre guillemets. Je pense qu'un peu plus frais ça sera agréable. Pour un apéritif, je pense que ça va vraiment bien le faire pour un apéritif. Et pour éventuellement des desserts, mais des desserts un peu sucrés, parce qu'il y a un peu d'amertume, il y a une légère amertume, donc je pense qu'avec un dessert bien sucré, un gâteau ou quelque chose de, comme ça d'assez sucré, ça fera vraiment un bon travail, un bon job. Donc voilà, écoutez, si vous avez des commentaires, des questions, surtout n'hésitez pas et abonnez-vous, surtout abonnez-vous, car il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont abonnés. Et qui la regarde, donc si vous la regardez, je vous en supplie, abonnez-vous. Merci à vous, ciao, bye.